Ah là là, Jojo's Bizarre Adventure. Bientôt 5 ans que j'ai vu la première partie en animé, et en jugé par ma photo de profil, les références que j'ai placées ci et là dans mes vidéos depuis 4 ans, ce que je poste en story Instagram, ah, vous pouvez peut-être un peu vous douter que je suis un fanboy avéré. Depuis octobre, David Productions a entamé l'adaptation de la partie 5, Le van de l'or, où cette fois le Jojo n'est pas un Jojo. Mais un Jojo! De visuel, en gros, c'est un Jésus slash amas de spaghetti serti de 3 donuts, le tout habillé en Barbie. Et qui dit Jésus dit fils de Dio, qui n'a pas procréé avec la Vierge, mais avec la vieille tapante du coin de la rue qu'il a épargné pour le scénario, disons. Bref. Je vais pas vous faire tout le résumé de l'animé. Si vous avez cliqué là, c'est que soit vous avez lu le manga, ou que soit comme moi, vous regardez l'animé. Donc, vous connaissez tout ça. Et si pas, bah là, il y a une petite croix toute rouge, toute mimi, qui attend que vous. Dans le gang de Cléopâtre Bucciarati, il y a donc Jésus Blanchité, le bras droit de Jésus avec un pouvoir à la fois stylé, mignon et très tendancieux. Sexe pistorzé! Une orange d'un sexe indéterminé, un émodard qui semble apprécier faire boire son pipi. Et celui qui nous intéresse pour cette vidéo, une fraise pas mûre. Ouais. J'ai lu puis vu que la moitié de la partie 5, mais j'avoue que les couleurs du scan manga fait par les fans étaient bien plus legit. En plus, il se basait sur des couleurs réelles. Au moins, il avait mûri, quoi! Ah oui, d'ailleurs, sur son apparence. Hors sujet. Arrêtez de dire qu'il ressemble à un fromage! Parce que déjà, si vous voulez du fromage, coucou Formaggio! Mais en plus, ses trous, c'est même encore plus visible grâce à son passé, se sont formés progressivement, comme si tel le virus acide de son stand, ça avait fait fondre ses vêtements, petit à petit. Bon, c'est qu'une interprétation, mais... Attendez, sur sujet, il est plus tellement là, non? Son passé? Il sort d'où son passé? Je m'explique. Quand on lit le manga, ce que j'ai fait que jusqu'au tome 7, puis jusqu'au tome 10, parce que faut dire que suite au combat de Babyface de l'épisode 17, bah c'était vendredi, je me faisais chier, que j'étais un peu trop hypé de savoir la suite, hein, voilà. Et ben bah, on se rend vite compte que notre Panako de Tafugo, il a pas de passé comme dans l'animé. En effet, il est mentionné en ref lors du combat du Man in the Mirror, oh yeah, Shaman. Il est mentionné par Iluso dans le manga, mais c'est tout. Et pourtant, chaque membre du gang a un passé montré de A à Z dans le manga et l'animé. Tous torturés, tous profonds. Fugo, cependant, non. En fait, attention mini spoiler de ce qui va se passer très prochainement dans l'animé. Fugo est vite mis de côté du gang, par ses propres choix et ses propres doutes, mais avec une intention de l'auteur derrière. En effet, pour l'anecdote, Araki avait prévu à la base de faire de Fugo un traître au gang, devenant un ennemi, mais a préféré le laisser de côté pour pas que cette trahison rende la partie encore plus sombre qu'elle ne l'est déjà. Et pour d'autres raisons que je citerai plus tard dans la vidéo. Pourtant, malgré son peu de présence, David Productions met en avant Fugo depuis la promotion de la partie 5 en animé. Il est présent partout. Figurines, goodies, pancartes, thèmes personnalisés, etc. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, pour un gars qui a qu'un seul combat, qui disparaît aussi vite qu'il a apparu, pourquoi le mettre autant en avant? Même Triche, qui est pourtant présente pendant toute la partie 5, n'a même pas été mise en avant de la sorte. Et je me rappelle pas avoir entendu un seul thème pour Triche, hein, mais... C'est comme si le cuistot italien de la partie 4 avait eu le droit à des vidéos promotionnelles de partout et avait été mis en tête d'affiche du groupe de Morio. Enfin, je veux dire, c'est trop bizarre, quoi. Le cuistot italien de la partie 4... Il a un lien avec Fugo? Quoi? Attends, où ça? Hein? Ok, David Production, j'ai compris. Je vois où vous voulez aller avec Fugo. À votre avis, les fous, d'où sort cette idée de ce fameux passé? Ce fameux passé? À peine évoqué en manga et pourtant montré de façon bien longue pendant tout un début d'épisode? Eh bien, ça vient d'un light novel. Et oui, que vous le saviez ou pas, même Jojo a eu le droit à ses fanfictions pourraves pourtant éditées, qui ont des fois donné lieu soit au meilleur de l'animation japonaise, et soit au pire de ce qui existe, putain de merde! C'est simple, du light novel ayant inspiré le jeu Ice of Heaven, du truc complémentaire un peu inutile, mais vachement cool,
Oh putain de truc que je n'ai jamais lu, mais bordel, le résumé ne fait aucun bordel de putain de sens! Ah oui, je précise que je n'ai lu aucun de ces light novels, hein, parce qu'en fait ils sont introuvables, genre vraiment. Je me base que sur des illustrations officielles d'Araki, et les résumés disponibles un peu partout, dont sur les wikis, sur lesquels je me suis basé. Parmi ces 6... PISTORISE! Light novels, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. Jojo's Bizarre Adventure 2, Golden Earth, Golden Ring et Purple Haze Feedback. Alors d'un côté, il y a Golden Earth, Golden Ring, qui prend place à Venise pendant la partie 5. L'histoire se passe à Venise donc, après que le groupe ait trahi le boss, donc à ce moment-là de l'histoire à peu près. Là t'as Coniglio alias Coni, qui est genre une petite fille timide et introvertie, sans amis, originaire de Rome, qui après une série d'événements étranges impliquant Fugo, des liens avec notre gang principal où il commence à s'associer, s'allier, machin, après divers combats et alliances de personnages envoyés par le boss pour éliminer l'équipe, dont l'ancien associé de Mista. Ouah, trop cool. Bref, toute une histoire tournant autour de Fugo, dont à la fin, il réussit à faire tuer l'ennemi sans désobéir aux ordres du boss, mais sans non plus trahir ses anciens amis, ce qui est vraiment cool. Dans Purple Haze Feedback, l'histoire se concentre 6 mois après les événements de la partie 5, et on y retrouve Fugo, abordé par Mista pour une mission pour le compte de Giorno. Un dilemme l'empêche donc de faire la mission proprement, et d'événement en événement, il en vient en gros à rejoindre la nouvelle mafia, dont Giorno est le parrain. Et là, chose très intéressante comparée au manga, son passé est évoqué de A à Z. En effet, l'intrigue du light novel est souvent marquée par les flashbacks de Fugo, révélant son passé. Comme dit dans le manga, Fugo était un enfant intelligent, qui ne s'entendait pas avec sa riche famille, qui le poussait vers l'excellence académique. Tiens, comme dans le flashback de l'animé. Alors que ce n'est pas évoqué dans le manga, hein. La seule personne qu'il aimait étant sa grand-mère, mais incapable d'assister à ses obsèques à cause de son étude, il a frappé un ancien homme avec un dictionnaire qui le raillait au sujet de sa grand-mère et a été expulsé de l'université pour cela. Bon là, aucun rapport avec ce qui est montré dans l'animé, vu que l'animé montre Fugo à deux doigts de se faire violer, donc abusé sexuellement par son prof, et donc aucun rapport avec une énième grand-mère ou je ne sais quoi. Bref, en rencontrant Bruno en prison, ils sympathisèrent, Fugo rejoignit passionné. Puis après, Fugo s'est lié avec son équipe, en particulier Narancia, qui l'a présenté à Bucciarati. Bon, ça nous est montré dans le manga, c'est Fugo qui ramène Narancia, donc officiellement le premier membre du gang. Et c'est montré également dans l'animé, mais bon, c'était dans le manga, donc voilà. Et au même moment, Fugo avait commis de nombreux assassinats, des missions qu'il gardait secrètes auprès de Bruno. Sachant qu'il ne tolérait pas de telles actions, Fugo s'est trouvé en conflit entre l'injustice morale de son monde et son incapacité à le changer. Très intéressant, mais malheureusement pas montré ni évoqué dans l'animé. À moins que ça nous soit montré bientôt. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, mais je vous ai menti. Fugo n'a pas son passé venu directement du light novel, vu les deux descriptifs que je viens de vous faire. Mais des passages ont été rajoutés ci et là pour combler son histoire et mieux la comprendre. Une partie de son histoire vient donc de ce light novel, comme j'ai pu vous le dire juste avant. C'est ouf, non? Qu'on passe d'un light novel à un morceau de l'animé officiel, hein, de l'adaptation officielle du manga. Eh bien, imaginez plus loin maintenant. Et c'est sur ça que je veux vous mener depuis le début, en fait. Et si David Productions faisait du filler pour Fugo? Oula, calmez-vous, j'ai rien dit encore. Laissez-moi développer. Pour tout fan de Jojo, et pour ceux ayant lu la partie 5 en entier, contrairement à moi, je le rappelle encore, hein, je fais certaines vidéos pour les gens qui ont lu le manga, ou qui ne gênent pas de se spoiler un petit peu l'animé, mais voilà, je n'ai pas lu jusqu'à la fin de la partie 5, donc je triche un peu quelque part. Franchement, vous auriez pas envie que Fugo soit un peu plus mis en avant? Fugo est le personnage le plus sous-exploité de la partie 5, et c'est dommage quoi! David Productions est un studio d'animation, certes, mais en soi pas un énorme studio d'animation. Par exemple, ils peuvent pas se permettre d'animer plus de 4 ou 5 animés par saison, sans quoi la qualité baisserait graduellement pour chacun d'entre eux. Mais vu leur façon de faire avec Jojo depuis le début, ce sont clairement un groupe de fans animés par l'envie de faire l'impossible. Adapter Jojo, quoi, merde, en animé, personne n'avait osé en plus de 20 ans. À part Epipipi, mais bon. How about, c'était pas ouf. Désolé Satoshi Kon, je t'aime quand même. Repose en paix. Pourquoi se risquer à faire ça pour de simples light novels, vous me direz? Bah je pense qu'il est important de préciser que les light novels Jojo
eh bien, ils sont semi-canons, dans le sens où on peut les intégrer à l'histoire et en même temps les enlever. Ils sont là, sans être là. Rien ne prouve qu'ils n'existent pas, vu qu'ils sont bien intégrés dans la timeline, et rien ne prouve qu'ils existent complètement, vu qu'ils ne sont pas directement venus du manga. Pourtant, Araki en fait les dessins et valide ses œuvres. C'est pas comme si c'était que de simples fanfics sur un forum tout pété, hein. L'auteur y appose son tampon et dit « Oui, j'accepte que ce soit associé à mon mangas !» De plus, David Production a déjà fait beaucoup de changements entre le manga et l'anime. Là, on peut me dire « Normal, c'est pas le même média !» Non mais là, je vous parle pas de la charte graphique ou des visuels, quoi. Dont je trouve d'ailleurs que c'est une des parties qui retranscrit le mieux le style du manga, mais bon. C'est au niveau même du scénario qu'il y a des choses ajoutées. Et pas qu'une fois, hein. Hashtag le passage de 3 minutes où Giorno gambade en ville, hashtag des vannes coupées, hashtag des passages changés pour la durée des épisodes, sûrement pour ça, des dialogues coupés, des passages rajoutés, des ombres qui n'existent plus, des personnages introduits plus tôt, les passés introduits bien plus tôt pour certains membres du gang. Bref, David Production ne fait pas qu'adapter la partie 5, il la recrée, il redonne de la consistance à ce manga. Et le pire, c'est que l'auteur approuve. Et oui, si vous le saviez pas, Araki est vraiment derrière l'anime Jojo. Et ce, depuis presque le début. C'est lui qui donne son accord pour telle ou telle chose. Il a la main mise sur son bébé. Dimoruto ! Comme j'ai dit précédemment, Fugo a été mis de côté du manga selon Araki car il ne voulait plus en faire un trait comme prévu à la base. Mais le truc qu'on va développer maintenant, c'est pourquoi. Lors d'une interview, Araki a dit avoir un lien particulier envers Fugo. Là, ça va relever de l'anecdote, mais Araki avait des problèmes à un moment de sa vie. Il ne s'est pas donc senti assez fort lors de l'écriture de la partie 5 pour écrire un scénario complet sur une trahison entre un personnage qui trahirait d'autres membres, amis. Bref, écrire ça dans son œuvre, c'était trop pour lui. C'était trop tôt. Ce lien. Le lien que Araki a développé envers Fugo, pour moi, il pourrait être assez fort pour motiver Araki à autoriser David Production à conclure proprement son personnage, non ? Argument de plus en la faveur de ma théorie des fillers. 39 épisodes sont prévus pour le Vandore, le même nombre d'épisodes que la partie 4 en animé. Or, la partie 4 est plus longue d'un tome que la partie 5. Soit de 3-4 épisodes si on convertit vite fait en animé. De là, on pourrait se dire, ouais, bah l'animé de la partie 5 va juste aller plus lentement. Sauf que, ça veut dire qu'on devrait arriver au tome 8, moitié du manga, à l'épisode 19 ou 20. Sauf que la moitié du manga, on l'a déjà atteint à l'épisode 17. 2 voire 3 épisodes plus tôt. Ça fait beaucoup là, non ? Donc d'après ma règle foireuse du temps, on a donc 2 voire 3 épisodes de libre au milieu de l'intrigue. De quoi introduire un ou deux méchants lors d'un arc Golden Earth Golden Ring ? Non ? C'est pour ça que je pense qu'il est possible que Fugo ait droit à un petit bonus après son départ du gang. Il est trop là, trop intégré où il ne le devrait pas. Trop de Fugo pour pas grand chose, ce serait dommage, non ? Ce serait dommage, mais malheureusement, il y a aussi de grandes chances que ça n'arrive pas. Et oui, malgré tous mes espoirs et le fait que cette théorie a peu de défauts, elle en a, et ils sont lourds de conséquences. Même si Fugo n'a qu'un seul combat et c'est regrettable, bah les autres membres du gang n'ont pas non plus beaucoup plus de moments pour briller. Abakyo a également peu de combats d'après ce qu'on m'a dit. Oui, parce que je précise que la plupart des choses dont je suis au courant plus tard pour l'intrigue de la partie 5 m'ont été informées par un de mes amis, qui lui a tout lu, et qui a pu me dire si oui ou non je disais de la merde, voilà. Et en plus qui a pu m'aider un petit peu pour cette vidéo. De plus, je rappelle qu'on parle toujours d'un light novel. Certes, des éléments ont servi au passé de Fugo, mais je vois mal Araki et David Production complètement s'appuyer dessus, hein. En plus, ma théorie des chiffres là, ça peut dépendre. C'est trop instable pour en être sûr avec des simples divisions par deux, quoi. Et pour finir, les fillers. C'est pas pour rien que ça gêne. Déjà, ça fait perdre de l'audience, et en plus, ça ne ferait aucun sens, vu que c'est adapté d'une partie d'un manga qui a plus de 15 ans. Ça pourrait donc gêner les fans puristes, qui connaissent déjà le manga,
Et en plus, perdre les animés only qui se demanderaient « Mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi les fans du manga se plaignent ?» etc. Bref, ça foutrait la merde. Après, il ne faut pas exclure les light novels totalement de Jojo. Il y a toujours une possibilité d'OAV reprenant Purple Hate Feedback, par exemple, qui fait à lui tout seul une bien meilleure conclusion pour Fugo. En plus, en faisant l'OAV, ça n'influencerait en rien l'animé, comme avec l'OAV sur Rohan de la partie 4. Ce ne serait que du bonus, et en plus, on aurait plus de Fugo. C'est parfait. De plus, sans se baser sur Golden Heart Golden Ring, Fugo peut toujours avoir quelques minutes inédites pour lui pendant l'épisode, pour pas qu'il s'en aille de façon trop brusque comme dans le manga. Et ça pourrait conclure son personnage, bon, vite fait, mais ça rajouterait un peu plus de trucs, tu vois. Ça, il pourrait faire une mini-scène, quelque chose, tu vois. Bon, après, je sais pas trop comment, mais bon, je laisse David Production gérer ça. Ce sont des pro-duction. Des pro-production. David Production. Pro. Ce sont des pro-production. Rigolez, s'il vous plaît. Là, j'exige des rires. Alors par contre, le pire pour moi, ce serait qu'il veuille vraiment intégrer Fugo à l'histoire, mais qu'il fasse aucune des façons, comme j'ai évoqué précédemment, mais qu'à la place, il lui fasse faire comme Narancia, et du coup qu'il se mette à suivre à la dernière minute Bruno, et du coup qu'il se mette à faire les combats qu'ils vont faire après, tu vois, enfin qui s'intègre à l'histoire par la suite, tu vois, genre, et du coup ils arriveraient à le faire mourir à un moment, comme ça il disparaît d'histoire, ou je ne sais quoi, mais... Enfin, ce serait... Pour moi, ce serait le plus bizarre, parce que ce serait vraiment trop éloigné du manga. Et voilà, autant faire 3 épisodes et basta, après on s'occupe plus de Fugo et on continue le manga, qu'intégrer Fugo à l'histoire, ce qui foutrait complètement le bordel, quoi. Enfin, s'il faisait ça, hein, parce que c'est une possibilité, c'est déjà arrivé dans d'autres animés, hein, dans d'autres adaptations animées, ce serait de la merde. Ce serait vraiment de la merde pour Jojo, vraiment. Voilà. Pour moi, Fugo a beaucoup été trop mis en avant dans l'animé pour disparaître aussi vite que dans le manga. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a moyen de le voir plus, quoi. Que ce soit en OAV, en filler, bref. En concluant son personnage proprement. On aura la réponse dans quelques semaines, de toute façon. Hâte de voir s'ils oseront faire ça, en tout cas. Et si ça se réalise pas, bah, tant pis. Mais faites au moins un OAV, quoi, merde! La vidéo se conclut ici. Pensez à faire ce qu'il y a à faire en bas, là, tout ça, ça, ça... Bref, vous connaissez. Mais ce qui m'intéresse le plus, vous. Qu'en pensez-vous de tout ça? Vous êtes d'accord avec moi? Dites-le en commentaire. Vous trouvez que je dis de la merde? Dites-le en commentaire. Vous n'avez pas envie de donner votre avis, car ça semble être juste une technique fourbe pour le référencement, et de toute façon, ma tête de bite ne vous inspire pas tellement la confiance. Putain, une chaîne basée sur un sexe, quoi? Mais c'est vraiment dégueulasse! Et ne le dites pas en commentaire. Ou dites-le. Dans ce cas-là, j'en sais rien. Mais je vous le recommande fortement, parce que... La branlette... Ça se pratique seul, mais tout le monde peut le faire. Arrivederci!